On est tous des grands tireurs de coups francs, donc on est en train de se mettre d'accord sur les distances. Ouais. Quand c'est 45 mètres, je le laisse tirer. Quand c'est 35 mètres, c'est moi qui tire. Je me présente, Marcus, et qui est Konko Malela du groupe Banlieusard. King Salomon du groupe Banlieusard. Banlieusard, c'est un groupe qui est né vers la fin de 2003, début 2004, qui a émergé en 2010 pour son premier album. Nous sommes à 10 ans de carrière maintenant, depuis 2010. On a 3 albums au compteur, mis à part un album acoustique qu'on a repris. Une réédition, oui. Une réédition, voilà. Déjà, on a un ami en commun, personnel, qui s'appelle Junior Cabo, qui était mon cousin, qui était son cousin à lui. Il m'a parlé de lui, ainsi de suite, qui lui a parlé de moi aussi. On était destinés à se rencontrer, en fait. On s'est rencontrés sur rendez-vous par rapport à quelqu'un. Pour enchérir un peu ce qu'il dit, c'est vrai qu'on avait, on n'avait pas qu'un seul ami en commun, on avait plusieurs amis en commun, et qui n'arrêtait pas de vouloir nous mettre en contact, de nous brancher. Lui vivait à Dakar, c'est là-bas qu'il a fait ses études. Moi, j'étais avec mes parents aussi. Mon père était diplomate, donc on était vraiment éloignés. Mais grâce à l'énergie et à la persistance de nos amis en commun, on a fini par se rencontrer. C'était dans un complexe où tous les jeunes du quartier Sangoya se retrouvaient. On s'est retrouvés là, il est arrivé. Je ne savais même pas que c'était lui et il ne savait pas que c'était moi qui étais là. On a commencé à chanter, à jouer de la guitare. On a passé au moins 4 heures ensemble sans savoir. Ouais. C'est quand Junior, mon cousin, il est arrivé, père son âme, il a dit « Ah, mais ça tombe bien. Ah, c'est toi, Salabal. Ah, c'est toi, Marcus. Ah. » Et puis boum, on est restés ensemble. On est tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, il voulait rentrer chez lui. Il était 23 heures, je crois. On s'est rencontrés depuis 10 heures. Du matin, il était 23h, il voulait rentrer chez lui, je l'ai fait « Yo man, viens, on va passer la nuit chez moi ». J'habitais juste à côté et on allait chez moi, on a dormi ensemble. Le lendemain matin, il a rencontré ma mère, mes parents, tout le monde l'a adoré, il était tellement jovial, il avait tous les mots qu'il fallait, il était spontané. Et ça a plu à tout le monde chez moi et depuis on est ensemble, jusqu'à ce que, comme il l'a dit, jusqu'à ce qu'on rencontre Abdou au lycée, dans la salle du bac. Il nous a présenté à ses frères. Et puis voilà, la magie s'est réalisée. On a fait un album avec eux, un deuxième. Et voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait carrément deux vies différentes. D'abord, il a fait son enfance à Kamsar. Son père travaillait à la CBG. Ensuite, il est allé à Dakar pour prolonger et poursuivre ses études. Moi aussi, j'étais avec mes parents. Mon père était diplomate. Il était ambassadeur de Guinée en Arabie Saoudite, au Yémen, dans tout le Golfe d'Arabie. Donc, j'étais vers là-bas. Et c'est seulement quand mon père est décédé, en 98, que je suis rentré. Lui, il était encore à Dakar. Et on s'est rencontrés, comme il l'a dit, en début 2003. Il y a eu plusieurs noms. On avait un petit, on va dire un faux groupe. On avait un faux groupe au départ de 5 personnes, avant que Salomon ne revienne de Dakar. Mais après, il y a eu tellement d'éléments qui se sont dégonflés, on va dire ça comme ça. Ils se sont découragés en route, en chemin. Et finalement, je me suis retrouvé seul et jusqu'à ce que Salomon arrive. Quand je rencontre Salomon, je reprends. En fait, je commençais déjà à perdre la motivation aussi pour la musique, vu que mes amis se décourageaient et j'avais deux autres amis qui se s'étaient fait assassiner dans des circonstances assez... Bref. Donc, je me suis retrouvé seul avec Pegzi. Finalement, quand Salomon est arrivé, Pegzi était encore là. Mais Pegzi aussi nous a lâchés. Il est parti pour s'occuper du commerce de sa mère. Quand j'ai revu Salomon, quand je l'ai rencontré, ça m'a donné de l'espoir, ça m'a redonné de la motivation. Et j'ai eu envie de créer autre chose. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas appeler le groupe Banlieusard, qu'on puisse parler du bien de la banlieue pour une fois. Puisque la banlieue, on sait qu'elle regorge le banditisme, la délinquance et autres, mais on sait que la banlieue regorge aussi de bons footballeurs, des talentueux, des bons peintres et autres. Donc on s'est dit Banlieusard. Et si vous remarquez l'autographe,
l'écriture de banlieusard, c'est banlieuse art, c'est-à-dire art de banlieue. C'est de là que vient le nom banlieusard. De toute façon, d'ailleurs, on se faisait appeler partout les banlieusards. Ouais, on nous appelait comme ça. Quand on allait en ville, on dit banlieuqué, banlieuqué, parfois, banlieuqué. Ça nous a facilité l'inspiration. On avait tendance à traîner avec une guitare à trois cordes. Ouais. Banlieuqué, m'en bat la fini à la guitare. Des tapettes de banlieue, des kilos de banlieue, avec des poches à l'extrémité, avec tout ce qu'il faut. Ouais, c'est tous ça. Les gadgets qu'il faut. Il a gardé les bonnes habitudes. Hein. En tant qu'artiste et défendeur, on ne peut pas rester indifférent face à cette situation sociopolitique que notre pays vit aujourd'hui. On a vu que les politiques sont en train de réussir malheureusement à diviser les Guinéens pendant qu'on était tellement en amour et en harmonie. Donc du coup, nous, on sait que nos messages, nos voix passent. On sait que les gens, ils aiment ce qu'on fait. Et du coup, on s'en sert pour passer des messages forts de paix, pour essayer de les ramener à la raison et les rappeler qu'on a toujours vécu ensemble. Ouais. Et ça, on s'arrange à le faire dans toutes nos chansons. Dans tous nos albums, on essaye. Et pour enchérir la paix, nous en faisons notre cheval de Troie, parce que je crois que c'est dû à notre éducation, en fait. Ça, c'est depuis la maison. Mm. À la maison, tu apprends à partager avec tes frères et soeurs, déjà, à la maison. Tu partages tout. Même tes tapettes, hein. Ouais. Même ton t-shirt, ton chandail, tu partages avec ta sœur. Et avec plaisir. Oui, avec plaisir. Même si c'est une femme, ta sœur, tu partages ton t-shirt avec elle. Où elle en a besoin, tu lui donnes. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc l'éducation nous oblige à faire de la paix notre cheval de bataille, notre cheval de Troie, parce que le tissu social est en train de diviser. Franchement, tu te vois chanter dans un pays où les gens sont divisés. Je ne chanterai pas la paix dans un pays qui est déjà... Je crois que c'est... Voilà, c'est ça le thème. Le thème déjà, c'est de ressouder tout ça afin de s'amuser. La paix, elle est indéniablement le vecteur pour que la Guinée aille de l'avant. Et ça devrait être le devoir de tout un chacun. Ouais. Chacun devrait s'impliquer dans ce sens-là, puisque c'est la paix, c'est la quiétude qui nous arrange. Voilà. Ce n'est pas l'inverse. Je crois que nous n'arrêterons jamais d'en faire notre cheval de Troie. C'est clair. Le morceau Bim Bim So, c'est déjà un morceau qui a cartonné ici. C'est un morceau du groupe légendaire Dexy Fostry, qui sont nos grands frères. Ouais. C'était 2008, je crois, et le morceau, il a cartonné fort, très fort. Et c'est resté presque l'hymne national pour le Sili National. On a été honorés qu'il nous ait invités, voilà, sur ce morceau pour faire le remix. Même pas qu'on allait pouvoir être à la hauteur, vu que le morceau était un très grand morceau. Et on a mis toute notre énergie dedans. Et le morceau, il a encore une fois cartonné. Malheureusement, notre Sili National n'a pas pu cartonner comme on l'espérait, comme les chansons. Voilà. Et voilà, mais c'était une expérience assez spéciale, assez exceptionnelle pour nous, quoi, d'être sur ce morceau avec eux. Ce morceau-là, il n'a pas été écrit, en fait. Monsieur Bangoura a eu ce morceau en rêve. Tenez-vous bien. Mais oui, le morceau, il m'a dit, man, j'ai vu un morceau en rêve, mais il faut qu'on le fasse. Ouais. Un jour, il a eu l'idée de jouer ce morceau dans la cour. Il m'a fait voir la vidéo. Il n'y avait que deux ou trois patterns, même pas une chanson complète. Il a joué ça, du coup, c'est venu comme ça. Je te laisse continuer. Mais c'est ça. C'est assez bizarre. C'est un morceau qui est venu comme ça. Je savais le chanter déjà à mon réveil, sans savoir ce que c'était. Après, on a essayé, comme il a dit, on a fait une vidéo, on l'a balancé comme ça sur Internet pour voir ce que ça allait donner. Et entre-temps, il y a un de nos beatmakers qui voit la vidéo et qui fait un beat conforme à cela. Okay. Et il me l'envoie aussi le soir pour me dire, grand, qu'est-ce que tu en penses? Et c'était carrément le beat qu'il fallait. Et là, je les envoie à tous les deux et ils me font, man, c'est le beat qu'il faut. Ouais. Et sur le lendemain, on va au studio, tout de suite, on pose le son et tout le monde aime le son. D'ailleurs, quand on a mis la vidéo sur Facebook, il y a tout le monde qui réclamait. On veut ce son, on veut ce son, on veut ce son. Ouais.
pendant que tout le monde refusait les morceaux de paix à ce moment, pendant ce moment-là. Personne ne voulait entendre Histoire de paix. Mais Doucement est venu pour les rappeler, parce que les couplets sont assez riches. On n'a pas eu tout le morceau dans le rêve, j'ai pas eu tout le morceau en rêve. Il a fallu qu'on s'asseye, qu'on écrive, qu'on organise tout ça. Il n'y avait qu'un bout, comme il l'a dit, quelques patterns qu'on avait. Dans le morceau Doucement, il y a une vraie magie qui n'est autre que l'évidence, en fait. Il y a de l'évidence dedans. On sait ce qui s'est passé en Sierra Leone. On a tous vu des réfugiés Sierra Leonais quitter chez eux, venir chez nous à pied, parce qu'il y avait la guerre chez eux. Et on a vu qu'on était en train d'aller dans la même chose ici. On a vu d'autres pays aussi, qu'on a cités même dans Doucement. Je pense que ça a rappelé les Guinéens que ouais, c'est vrai en plus. Et tout ça, ce n'est qu'une histoire d'intérêt. Parce que des fois, les gens, ils descendent dans la rue pour mourir pour une personne qu'ils n'ont jamais vue de leurs yeux. Ils ne savent même pas quel est le vrai concept du gars. Mais ils sont prêts à mourir pour lui, pour tuer lui, sa jeunesse. Il n'a encore rien fait de sa vie, il n'a que 25 ans, il va mourir pour une personne qui a 60 ans. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette évidence qui est recentrée dans Doucement. Et ça a calmé les ardeurs. C'est encore la preuve que le Guinéen est pacifiste. Il aime bien tout ce qui réconcilie, tout ce qui est doux. Parce qu'on était comme ça avant. Ouais. Et il y a aussi, un impact très important dans ce que nous faisons, c'est le fait que Salomon soit Peul et moi Soussou, et que nous, on n'est pas dans cette optique-là, dans ces choses-là. On est toujours en train d'agir comme des Guinéens et pas comme des Peuls ou comme des Soussous. Absolument. Nous sommes le miroir pour tout un citoyen lambda qui se mire. Dis-toi que ben voilà, c'est voilà la Guinée. Quand les Soussous voient que je suis en train de faire un groupe avec un Peul depuis 15 ans bientôt, ça ne peut que le mettre dans un sentiment de vie possible avec une autre ethnie. Ils se rendent compte que oui, c'est possible. C'est comme quand je Et c'est magnifique. Ouais, c'est comme quand je parle de Soussous, mais très lourd. Ils disent, mais c'est un Peul ou c'est... Ils parlent mieux Soussous que moi, c'est vrai en plus. Ils parlent de Poula dans nos chansons. Donc, on est en train de faire de toutes les manières possibles pour unifier, hein, pour réunir ce bloc qui ne peut que se souder. À notre façon, on fait comme on peut pour que la Guinée soit un seul bloc indivisible. Voilà. C'est devenu le groupe de la population, de l'État. Ça, c'est un groupe, par le hasard, ça ne nous appartient plus. En face, ils nous disaient, les gars, c'est bon ce que vous faites ensemble, vous n'avez pas intérêt à vous séparer. Quand l'un avait faim, même quand moi j'avais pas faim, allez, on allait tous manger ensemble. On était obligés de travailler cela pour la Guinée. Jusqu'aujourd'hui, c'est le poids qui pèse sur nos épaules. Ouais. Et on aime bien ça, on aime ça. Si c'est une responsabilité dont on a à faire. C'est notre part de patriotisme. Pour nous, le refrain, c'est la maison. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Le refrain, c'est le soubassement. C'est ça la chanson, c'est la gimmick. Le reste, c'est pour juste allonger, permettre à tout le monde de danser, tu vois. Le reste, c'est pour faire passer le message. Ouais. Mais la vraie chanson, c'est le refrain. Ouais. On se met tous ensemble pour créer les refrains. C'est ça. C'est pas individuel. C'est comme il l'a dit, le refrain, c'est la pièce maîtresse. Ça te permet de comprendre la chanson et d'être bercé en même temps. C'est un refrain qui dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Quand d'autres pleurent, d'autres rient. Quand d'autres souffrent, d'autres sont dans la joie. Et la vie est faite ainsi. Ah, c'était un passage très, très, très délicat pour nous tous. C'était une chose non seulement qui était complètement inattendue, et qu'on a jamais pu imaginer. On a l'habitude de venir au concert. On a l'habitude de ce mécanisme-là, c'est-à-dire quitter là, voilà, cet engouement. On est habitué à tout ça, mais ce jour-là, c'était vraiment un jour assez sombre. Ouais. Et il était sombre depuis la matinée déjà. Depuis la matinée, on ne se sentait pas bien, on était flemmards, on n'avait pas envie de faire ce show-là. On ne sait pas trop, mais on ne voulait pas faire ce show-là. Comme pour dire que c'était déjà écrit. C'était le Kun Fayakun, comme on le dit souvent. C'est un jour qu'on n'oubliera jamais. On est arrivé, on a vu tout ce beau monde. Ils étaient beaux, mais ils étaient un peu trop quand même. On a vu plus de 35 000 personnes devant nous. On a senti la chaleur du public. Parce que des fois, tu vois des gens qui te tendent la main pour te toucher. Et donc, tu veux faire plaisir. Et à ce moment, quand tu te penches, tu sens que les personnes devant toi souffrent parce que tu sens la chaleur, une grosse chaleur.
Et là, il y a le grand frère scandale, Ablaye Mbaye de Dieu Fassoui, qui vient devant la scène pour nous dire d'arrêter. Parce qu'il a vu que ça débordait. Et on a fait juste 4 morceaux, on est descendu de la scène. On allait se mettre derrière le podium. Et pendant 3 heures, on était assis là-bas. Et on entendait le monde qui souffrait. C'était vraiment très dur. C'est dur encore à expliquer aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Et donc, au fur et à mesure, on venait nous dire, il y a eu 2 morts. À 2 morts, on était en panique déjà. Et on était loin encore du compte. Et au fur et à mesure, on venait nous dire 8 morts, 11 morts, 15 morts. À 4 heures du matin, on était encore assis là-bas derrière le podium. Jusqu'à 4 heures du matin, on était là et on venait nous dire qu'il y avait 32 morts. On était complètement abattus, on ne savait plus si on devait entrer, si on devait sortir ou si on devait rester là-bas. Un jour inoubliable. Après, le morceau, c'était nécessaire pour nous. Parce que la musique, pour nous, c'est dans la musique qu'on arrive à exprimer notre joie, notre peine. La musique, pour nous, ça nous aide à exprimer ce qu'on ressent. Donc, il fallait qu'on fasse cette chanson pour dire combien de fois on est reconnaissant envers ces enfants qui sont morts à cause de nous. On est désolé auprès de leurs parents. Ils les porteront toujours. Et nous les porterons toujours dans notre cœur, ouais. Grâce à cette chanson d'ailleurs. Ce n'est pas facile, c'est toujours délicat de perdre un enfant. Mais on sait que chez nous en Afrique, les hommes arrivent plus à supporter cela. Les hommes le supportent plus. Mais les femmes, on sait combien de fois elles sont liées à leur enfant. C'est elles qui sentent vraiment la douleur. Ouais. L'homme peut avoir cette douleur-là, mais elle est différente de celle que la femme ressent. Donc, c'est pourquoi on s'est plus accentué sur elle, même si on sait que la désolation dans laquelle nous sommes, elle est insuffisante. Le pardon sera éternellement insuffisant, puisque ça ne leur ramènera jamais leur enfant. C'est les parents-là qui font notre joie à nous. En laissant leur enfant venir à nos concerts. Ce sont des victimes que nous porterons toujours dans nos trophées, dans nos concerts, partout dans le monde où notre musique va accéder. Ces âmes seront toujours avec notre musique. Ouais. Resteront là, gravées dans la roche, comme on dit. On l'a chanté il y a 10 ans. C'est un morceau qui a été que Dieu Fassoui ne s'est pas leurré de rappeler au monde avec Fallet. Il y a des morceaux qui sont vraiment une évidence. Il y a vraiment des vaccins, des traitements dans ces albums. Il y a des trucs qu'il faut vraiment écouter et prendre en compte. Parce qu'il y a des calculs déjà effectués. Et qui tombe net. Donc nous, on reçoit ces informations de par la divine musique. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes l'Afrique est dans ce problème-là. Combien de frères meurent par la Méditerranée? Nous le savons tous. C'est un gros problème qui reste pas résolu encore de nos jours. Tama Burama reste l'une des chansons préférées de tous les fans. Et surtout des personnes qui sont de l'autre côté, ça leur rappelle qu'ils n'auront jamais mieux que chez eux. On n'est jamais mieux que chez soi. Voilà. Donc, Koma Burama. C'est classique. Wadugol kowe liwokama. Je te parle de mes sentiments pour te sacrifier. Essayer de tout donner pour pouvoir nous délivrer. Ils n'ont pas pu réussir, ils ont laissé leur vie. Derrière la famille me sing, oh maman. La suite c'est sur YouTube. Concon, c'est pour les relations humaines. Tamuso Meruma, Concon. C'est genre, tu ne peux pas venir t'adresser à quelqu'un sans lui adresser un bonjour, par exemple. C'est les bonnes relations humaines. Si on veut évoluer de l'avant, il faut déjà savoir se dire bonjour, pardon, merci, s'il vous plaît. Ça engage les bonnes relations. C'est juste cela, Concon. Concon, c'est comme on dit, les préliminaires entre deux personnes. Tamuso Meruma, Concon. Mousso Mamuna de Concon. Mirana de Rabima, Concon. Pendant les créations, quand on est aussi en train de faire des créations, c'est des moments assez agréables, puisqu'on est carrément. Repose, bref. Voilà. On est des gamins, quoi. On est des ados quand on est en création. On oublie qui nous sommes un peu. Et on est à fond dedans. Ça aussi, c'est des moments très agréables. Je me
suis lancé dans la restauration et aussi dans le transport. J'ai ouvert un resto, un lunch bar restaurant qui est à la Minière, qui s'appelle Dehoud. Et puis, je me suis lancé dans le transport aussi. Hein, on a des petites motos qu'on met sur le terrain. Vous savez, quand on veut maintenir sa famille dans un certain mode de vie, il faut absolument avoir plusieurs entrées d'argent. Et donc, on essaye de diversifier les rentrées. Et donc, d'où l'entrepreneur, M. Bangoura. Mais il ne vous a rien dit par rapport à son entrepreneuriat, parce qu'on sait qu'il ne sait pas qu'il est aussi dans l'agriculture. Bon, veuillez nous situer là-dessus. Non, mais ça, c'est tout bon guinéen a un petit peu de terre, quelque part. Voilà. Donc, du coup, j'entreprends quelques manguiers, quelques bananiers, tu vois. Donc, ça va, quoi. Ça va. Ça, c'est pour subvenir aux besoins de la famille, mais dans nos têtes, on n'est pas prêt à accrocher avec la musique. La musique, c'est clair. La musique, c'est notre... c'est la première entreprise. Normalement, c'est la première et la seule entreprise. Mm. Mais on est en Guinée. Il faut faire autre chose. Puisque la musique ne paye pas son nom ici, voilà. On est obligé de faire des activités annexes, des fois même pour financer sa musique. Le djembé d'or. Le djembé d'or, mon frère. Le djembé d'or, c'est un prix que Aboubacar Demba Camara a eu. Donc, ouais. Si nous l'avons eu aussi, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Abonnez-vous.